Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je suis en route pour partir en Belgique rejoindre une copine à moi qui s'appelle Oriane. J'ai donné mon intro donc je vous la montre et après je vous explique tout mon périple. Oriane, c'est une copine à moi depuis le collège. Elle a déménagé en Belgique pour ses études et pour vivre avec son copain. C'est le 28 décembre si je me trompe pas. Donc elle est partie et pas vue depuis cet été. Elle est revenue pour les vacances. Je l'ai vue mardi pour lui faire les petits ongles. Je mets une petite vidéo de quand j'ai revu Oriane dans un supermarché bien paumé là. Je prends le train à midi, j'arrive à Lille à 16h. Je viens me chercher avec son copain je crois. Et on va à Bruxelles donc j'ai 1h30 de route. Amis, je vous ai pas dit, regardez ce qu'on a volé avec ma copine hier. Un sapin de Noël. Qui voilà, c'est pas normal. Je vais faire un vlog tous les jours si j'arrive à vider mon téléphone parce qu'il est blindax de vidéos et photos et ça me fait péter mon crâne. Je sais pas comment je vais faire. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je suis aigrie. Mais au moment où je serai dans mon train, aussi au moment où j'aurai réussi à vider mes vidéos, je ne serai plus aigrie. Mais je vous jure, en vrai, je suis pas une aigrie de la vie. Hein. Oh oh, ça c'était une mauvaise idée. Je vous montre ma salle des gaines de transport. Je vous explique, mais en gros, cette veste elle prend trop de la place donc fallait que je la mette sur moi. Ce pantalon prend trop de place donc fallait que je la mette sur moi. Bah, j'ai dû habiller les deux ensemble. Bon, en vrai, ça va, mais bon. Mes parents me promènent à Euralille. Ah, ça dégoûte. Dégueulasse. Ouais, c'est avec tes cheveux longs. Mon dos, tes cheveux longs. Petit avant. Tourne la tête, tourne la tête. Transition. Qui cachait ça, là? Ça, ça va dire. La quelle heure? Ah super. Ah non. Ça me dégoûte. C'est là derrière. Ah. On va encore m'appeler. Salut, donc là je suis enfin arrivée à Lille. Mais bon, on se retape 1h30 de voiture pour arriver à Bruxelles. Zola, de 16h à 19h30, ils ont cherché des paires de chaussures, s'il vous plaît, j'en peux plus moi. Et on a fait des courses aussi. Peut-être qu'on fera un petit haul. C'est vous l'homme de la situation qui vient d'apporter ma valise. Tu sais qu'elle est plus lente que toi là. En plus tu pourrais rentrer dedans. Hey, welcome to the Royaume-Uni. But de cette semaine, c'est trouver un renard qui bouffe les poubelles. Vraiment la preuve.
que je m'installe chez eux pour toute la vie. S'il vous plaît, regardez comment je me suis incrustée chez eux. Mais il y en a partout. On dirait que je reste un mois carrément. Je suis désolée, mais on dirait trop le... On dirait trop le Royaume-Uni ici. Bon, voilà. Enfin, je vois de mes propres yeux, mais... Dites-vous que j'ai mis autant de temps à venir en Belgique que si j'étais partie aux États-Unis à cause de là, à chercher des paires de chaussures pendant des heures. Dégueulasse. Moi, c'est sur les joues. Ah ouais, c'est que... Mais c'est une bise en Belgique, ma belle. Mais non, mais on était un couple à trois au supermarché, on n'est plus un couple à trois, là. Ah, bah ouais. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle a fait... Elle est là avec son pote. Ah oui. Non, mais vas-y, fais-moi deux bises, mec. Mais non, c'est une. Mais je suis envie. Regardez ce que j'ai acheté. Petit sushi. Et qui veut m'en voler? Moi. Oh, il était. Par contre, c'est des sushis au poulet. Moi, je veux un à quelle petit... heure? À quelle heure? J'ai jamais goûté. À quelle heure ça existe? En plus, c'est pas son mec qui a mis ma sauce et mes baguettes à la poubelle. Genre là, je vais manger sans sauce et avec mes mains. Parce que je vais pas manger des sushis avec une fourchette. Tu sais que j'en ai jamais mangé de ma vie, hein. Ah ouais? Ouais, c'est moi. Mais là, c'est au poulet, mec. Mais attends, attends. Parce qu'au poulet, c'est pas aussi bon qu'au poisson. Hein. Donc, si t'aimes pas, c'est pas de leur faute. Non, on fait par cœur. Désolée, madame, si tu vois ça, je le remets dans le truc. C'est sur cette petite période, en regardant la télévision, que cette première journée se termine, cette première très longue journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous. Bisous.